Quand j'ai écrit ce spectacle, j'étais très seul. J'étais aux États-Unis, à l'autre bout du monde, en mode tout seul. Il n'y avait personne, pas Serge, personne, aucune personne qui travaillait avec moi depuis le début. Et j'écrivais mon truc un peu tout seul en me disant, avec plein de doutes, tu vois, est-ce que c'est pas trop tôt pour remonter sur scène? Tu viens juste de terminer un spectacle? Est-ce qu'il faut pas laisser un peu de temps? Est-ce que? Puis finalement, voilà, on y a été. J'ai commencé le rodage en septembre. Dès que je suis revenu de New York, je suis parti à Lyon. On a commencé à jouer ce nouveau spectacle un peu à l'arrache, quoi, avec ce que j'avais écrit là-bas, avec ce qu'on avait ramené. J'en rêvais beaucoup de ce deuxième spectacle. J'avais envie que ce soit quelque chose de différent, dans le sens où j'avais envie qu'il y ait de la danse, du chant, pas seulement des blagues, quoi. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, je suis super heureux, super ému. Et en même temps, tu vas me dire, ça y est, t'es vieux, Kev Adams. Mais putain, chaque jour passe et chaque jour, je me dis, qu'est-ce que ça passe vite, c'est incroyable, quoi. Les dates de la tournée s'enchaînent et ne se ressemblent pas toujours. Ce soir, à Toulouse, il joue dans un casino-théâtre. Parmi les gens qui l'accompagnent, son metteur en scène, Serge Azanavicius. Il n'a pas vu le spectacle depuis quelques semaines. Le spectacle, il est solide, il est carré, c'est plus de ma partie, c'est plus le plaisir de l'artiste et de l'accompagner. Mais c'est pas vraiment des réglages, non. Je laisse sa vie, un spectacle. Ouais. Dis-moi, Will, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Je sais pas, je passais à Toulouse tranquille, je suis venu ou pas? Tranquille? Ouais. Ça, toi? Ouais. T'as déjà vu Voilà Voilà? Ouais, je l'ai vu une fois déjà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Au casino de Paris. Franchement. C'était nul, j'ai détesté. Ouais, t'es sûr. Dis-moi un peu, qu'est-ce que t'aimes le plus, qu'est-ce que t'aimes le moins dans une tournée? Ce que j'aime le moins, c'est les voyages, les déplacements, les machins, les. Et ce que j'aime le plus, vraiment le plus, bah, c'est évidemment rencontrer les gens. Moi, je me balade en France pour ça, parce que j'adore rencontrer les gens, parce que j'adore, tu vois, parler avec eux, que ce soit pendant le spectacle ou après le spectacle. C'est-à-dire que plus que le spectacle, c'est la rencontre des gens. Pour le moment, je viens chez vous, tu vois. Mm-hmm. Et je viens vous dire bonjour chez vous. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup.